Je lève mes mains. Est posée, c'est parce que le constat est amer. Alléluia.
C'est parce que lorsque nous regardons dans notre génération, on se pose la question, mais où sont les Élie? Parce que la Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et comment se fait-il que nous voyons tout le contraire? Parce que nous avons besoin des Élie, parce que les Élie se font rares. Bien aimé, ici, nous ne cherchons pas les gens qui portent le nom d'Élie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent le nom d'Élie. Tu peux t'appeler Élie, mais ne pas avoir l'esprit d'Élie. Mais là, nous sommes en train de parler des gens qui ont l'esprit d'Élie. Et quand on parle de l'esprit d'Élie, en fait, on voit l'esprit qui est derrière Élie. Alléluia! Parce que quand on parle de l'esprit d'Élie, nous ne sommes pas en train de parler, comprenez-moi bien ce que je vais dire, de l'esprit humain, parce que tu risques d'être dans l'erreur et d'invoquer l'esprit humain d'Élie. Mais nous sommes en train de parler de l'esprit qui est derrière Élie, de l'esprit qui anime Élie. Et alors, quand on parle de l'esprit d'Élie, nous ne parlons rien d'autre que de l'esprit de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous pendant 10 minutes une petite exhortation. Je pense que beaucoup, ou même peut-être une personne sera bénie ici. Alléluia. Amen. J'étais en train de méditer la parole de Dieu et je me suis dit, Seigneur, sur quoi je peux parler? Parce que le message, il est tellement vaste. Et je disais à l'homme de Dieu, il y a vraiment des grosses pointures, des gens qui ont l'habitude de prêcher. Donc c'est vrai que je voulais un peu fuir. Et vous savez, lorsque tu fuis, c'est parce que tu t'attends à ta propre capacité. C'est parce que tu te dis quelque part, si je prêche, bien c'est moi-même. Mais l'apôtre Paul a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et lorsqu'on se tient devant, bien aimé, on s'attend seulement au Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais juste partager sur les caractéristiques des Élie. Parce que si je me pose la question dans cette salle, où sont les Élie? Beaucoup de gens vont lever la main. On va tous lever la main parce qu'on va tous se dire que nous avons l'esprit d'Élie, nous sommes les Élie. Et là, le Seigneur m'a conduit un peu à voir quelques caractéristiques, il y en a beaucoup, mais à relever quelques caractéristiques. Le premier caractéristique, nous voyons que Élie ne parle pas trop de leur personne. Bien aimé, lorsque je lis dans 1 Roi 17, chapitre 17, verset 1, là d'emblée, lorsqu'on nous parle d'Élie, on nous dit juste Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. On ne nous parle pas de son père, on ne nous parle pas de sa mère, on ne nous parle pas de sa femme, de ses enfants, mais on nous dit juste Élie le Tishbite. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que celui qui a l'esprit d'Élie, le vrai serviteur de Dieu, bien aimé, ne s'attarde pas à parler trop de soi. Parce qu'en réalité, nous ne devons pas parler de nous, mais nous devons présenter l'Esprit de Dieu. Nous devons présenter vraiment le Seigneur. Et là, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vraiment profond. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous présente, on dit Élie le Tishbite, et puis plus loin, on nous dit, l'Éternel, donc, en fait, Élie vient et il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Bien aimé, le deuxième caractéristique que j'ai retenu, c'est que Élie parle de la part du Seigneur avec précision. Amen. Bien aimé, nous sommes fatigués de faux prophètes. Amen. Nous sommes fatigués de faux pasteurs qui sont tout le temps là, qui donnent des prophéties. Vous savez, c'est facile. Hein? Moi, je peux prendre le micro et je peux dire, dans cette salle, il y a quelqu'un qui a mal au dos. Bien aimé, c'est vaste. C'est vaste. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens ont mal au dos par rapport au travail qu'ils doivent faire. Donc, quand tu dis, s'il y a quelqu'un ici qui a mal au dos, bien aimé, tu as dit quelqu'un, mais tu vas voir, tu as dit une personne, il n'y aura plus d'une personne qui va s'avancer devant. Pourquoi? Parce qu'il y a la confusion, il n'y a pas l'éclaircissement dans ta prophétie. Je me dis, arrêtons, parce que lorsque Dieu parle, Dieu est un Dieu précis. Amen. Dieu, il est capable de dire qu'il y a une femme ici qui s'appelle Antoinette, ceci, ceci, et c'est elle qui a mal au dos. Bien aimé, on a besoin de ça. Bien aimé, moi, je suis fatigué des fausses prophéties. Et là, on voit, lorsque l'Éternel Dieu, lorsque Élie va se présenter devant Akab, il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Comme a dit notre frère Junior, pas à la parole d'Élie, mais à la parole de l'Éternel, parce que l'esprit qui animait Élie, c'était l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Et la parole s'est accomplie. Et le troisième caractéristique, nous voyons, les véritables Élie ou les véritables hommes de Dieu, ce qu'ils disent s'accomplit. Alléluia. La Bible dit qu'on reconnaît un vrai prophète à l'accomplissement de ses prophéties. Quand tu te dis prophète, sur 10 prophéties que tu as données,
Bizarrement, il y a peut-être que 4-5 prophéties qui se sont accomplies. Mais où sont les 5? Où sont les 6? C'est qu'il y a un problème. C'est que tu as parlé de toi-même. Et là, tu fais Dieu menteur. Alors la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais tout ce qu'il dit, sa main puissante va s'accomplir. Alléluia. Sa main puissante accomplit ce que sa parole est en train de dire. Alléluia. Donc je dis, bien aimé, déjà les trois caractéristiques que nous avons vues. Premièrement, ils ne parlent pas de eux-mêmes. Trop d'eux-mêmes. Deuxièmement, lorsqu'ils parlent, c'est avec précision. Troisièmement, lorsqu'ils parlent, ce qu'ils disent, ça s'accomplit. Et quatrième caractéristique que j'ai retenue, ce sont des hommes de foi, des hommes qui sont obéissants et des hommes qui sont humbles. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, 1 Roi 17, verset 2, la Bible dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fut. Et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Bien aimé, ici nous voyons la foi, nous voyons l'obéissance et l'humilité. Parce que là, Dieu lui demande de se retirer, de partir. Là où il part, il sait plus ou moins où il part, mais Dieu lui dit que c'est un corbeau qui va te nourrir. Bien aimé, il faut vraiment avoir la foi, et il faut vraiment être obéissant et surtout être humble. Là, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu, je me suis dit, il y a des endroits où le Seigneur va te conduire, toi, soi-disant homme de Dieu, toi qui te dis avoir l'esprit d'Élie. Des endroits, bien aimé, tu vas voir, tu devras t'adapter, pardon, aux conditions. Parce qu'on va peut-être te faire ou te donner des choses, par exemple, que tu n'as pas l'habitude de recevoir. Une nourriture, peut-être, que tu n'as pas l'habitude de manger. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du corbeau, c'est l'image des païens. Mais là, on parle vraiment de l'animal corbeau, de l'oiseau. Et imaginez-vous cet animal qui va peut-être fuir dans la poubelle. On ne sait pas d'où venait le pain et d'où venait la viande, mais je pense que c'était le Seigneur. Amen, amen. Et c'est pour vous dire qu'il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, bien aimé, tu ne le feras pas. Tu vas te dire, moi je suis un grand prophète. Moi, lorsque je prophétise, les prophéties s'accomplissent. Comment est-ce que tu peux m'envoyer à un endroit et en plus, Seigneur, tu veux que ce soit le corbeau qui puisse me nourrir? Mais les véritables élites, ils ont la foi. Dieu te dit, vas-y, tu ne poses pas de questions. Tu pars par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Alléluia. Et la Bible déclare que nous sommes justifiés, donc nous sommes justes et nous vivrons par la foi. Alléluia. Et là, la cinquième caractéristique que j'ai retenue, les Élie sont des gens qui sont reconnaissants, remplis de compassion et d'amour. Tu ne peux pas te prétendre être un homme de Dieu ou être un serviteur de Dieu et tu as la haine dans ton cœur. Tu n'es pas reconnaissant, tu n'arrives pas à dire merci. Tout ce que les gens te font, tu penses que c'est un dû, c'est obligé, c'est normal. Ce n'est pas normal. Un véritable homme de Dieu, un véritable Élie, c'est une personne qui est reconnaissant, qui peut dire aussi merci. Et c'est non seulement il est reconnaissant, mais c'est une personne qui est remplie de compassion et d'amour. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 17, 17, vous connaissez un peu l'histoire de la veuve. Et la Bible nous apprend que son fils était malade et son fils était mort. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on remonte plus loin en haut, nous voyons en fait Élie, Dieu l'avait envoyé d'aller voir cette veuve-là. Et lorsqu'il est arrivé dans cette maison, cette veuve ne restait pas grand-chose pour manger. Il restait juste un peu de farine et un peu d'huile. Mais Élie va lui dire de préparer pour lui et qu'il mange. Et lorsqu'il va finir de manger, l'huile et tout ça, rien ne manquera plus dans sa maison. Alléluia. Et cette femme-là, elle a obéi. Mais Élie est resté, je pense, là-bas. Et Élie, c'est quelqu'un, il a mangé avec eux. Et lorsqu'il a appris la mort de son fils bien-aimé, il était rempli de compassion. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont perdu cette compassion, qui ont perdu cet amour. Ça veut dire que le problème des autres ne les concerne pas. Nous voyons ce que Élie a fait. Élie a pris. La femme est venue voir Élie. La femme était dans la détresse. La femme était perdue, bien-aimée. Mais la Bible dit que lorsqu'elle est partie voir Élie, Élie a pris son fils et Élie a prié pour l'enfant. Et la Bible dit que l'enfant ressuscita. Sixième caractéristique que j'ai retenue, c'est que Élie ne se réjouit pas du malheur des autres. Parce que lorsque l'enfant est mort, Élie aurait pu se dire,
peut-être que c'est Dieu qui a frappé, parce que moi je suis un homme de Dieu quand même, je vis quand même, je suis dans cette maison, je côtoie cette femme. Comment se fait-il que son enfant soit mort? Peut-être qu'elle a péché. Mais non, Élie ne se réjouisse pas du malheur des autres. Et septième caractéristique que j'ai retenue, c'est que ils n'ont pas peur d'affronter les faux prophètes. Quand on parle de l'esprit d'Élie, c'est un esprit, je dirais, un esprit courageux. C'est un esprit qui n'est pas facilement, je dirais, déstabilisé. C'est un esprit qui influence et qui n'est pas influencé. Lorsqu'on parle de l'esprit d'Élie, on parle, c'est un esprit de force. Ça veut dire que lorsque l'esprit de Dieu te remplit, bien-aimé, tu n'as peur de rien. Tu n'as même pas peur d'affronter les faux prophètes. Et là, la chose qui m'a touchée là, en fait, c'est que je me suis dit, lorsqu'on est conduit par le Seigneur, parce qu'à chaque fois, vous remarquerez, lorsque Élie s'est présenté devant Jézabel, ou s'est présenté devant Akab, ou devant les faux prophètes de Baal, c'est parce que Dieu lui a demandé d'aller. Alléluia. Les véritables Élie ne font pas les choses comme ça te plaît, mais la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimé, si tu sais que c'est Dieu qui t'envoie aller affronter les faux prophètes, eh bien, lorsque tu vas te trouver devant eux, tu n'auras pas peur. Tu ne vas pas parler dans les coulisses et quand tu arrives devant eux, tu commences à bégayer, à être déstabilisé. Tu sais, un véritable, la personne qui a l'esprit d'Élie, non seulement il n'a pas peur d'affronter les faux prophètes, mais c'est au risque de sa vie. Quand on aime Jésus, quand on vit, on a l'esprit d'Élie, tu n'as pas peur de laisser ta vie. Tu n'as pas peur de mourir, comme l'apôtre Paul pouvait dire, mourir met un gain. Et au jour d'aujourd'hui, on dit, aimer Dieu. Mais lorsqu'on voit certaines situations, dans certaines situations, on change de langage, on fuit. Mais j'aimerais vraiment nous interpeller encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on se pose la question, où sont les Élie? Mais moi, j'aimerais répondre au présent. Moi, j'aimerais me dire, Seigneur, me voici, utilise-moi et envoie-moi, Seigneur, où toi tu veux. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Est-ce qu'on veut dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clamer fort le Seigneur? Acclamer peut-être que. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a été délivré de la mort? Comment il peut cacher? Est-ce que l'assemblée, cette assemblée est une assemblée de morts ou de vivants? De vivants! Si c'est de vivants, on va acclamer. Oh, vous savez, cherchant à connaître le Seigneur parce qu'on ne connaît pas assez. Moi aussi, je ne connais pas assez. Vous savez, souvent, les gens cherchent la présence de Dieu, mais la présence de chacun de nous doit la créer. Dieu est en toi, en moi. Alléluia. Amen. Même s'il n'y avait pas de sainteté, on arrive à la présence de Dieu qui va se manifester. Amen. Parce que les cœurs sont ouverts. Alors, s'il faut forcément chanter, je voyais les sœurs chanter, il y a d'autres qui baillent, peut-être qu'ils sont là accidentellement. Mais ce n'est pas par accident, c'est parce que Dieu te veut que tu sois là. Alléluia. Et c'est l'occasion où il faut vraiment magnifier Jésus. C'est l'occasion où il faut se rappeler. Tout à l'heure, j'ai pleuré. Il y a un chant qu'on chantait, Seigneur, je t'aime. Parce que Dieu me disait que tu te souviens d'où je t'ai pris. J'ai failli mourir dans le fleuve Congo. C'est mon frère qui m'a sauvé. J'ai failli mourir dans une autre rivière. C'est mon frère qui m'a sauvé. Et quand je pense, c'est parce que Dieu avait créé toutes choses pour un but. Pour que je puisse prêcher la parole. Alléluia. Amen. Et que les âmes soient sauvées. Donc, là, je peux acclamer que Jésus est Seigneur. Amen. Je
caractéristiques, il y avait un verset qui m'a touché, puisque nous sommes en train de parler sur le thème où sont les Élie. Alléluia, l'esprit de puissance. C'est le même esprit que Jean-Baptiste va manifester. Et la Bible dira que cette femme a reconnu que dans sa maison, il y avait un homme de Dieu. Parce que l'homme, quand il a reçu le message que mon fils est mort, la Bible dira qu'à cause de la famine, l'enfant ne peut plus supporter. L'enfant est mort. Il est en revenu. Élie connaissant Dieu, il a prié Dieu et dit, Seigneur, je te prie que le souffle de vie qui a quitté cet enfant revienne maintenant. Frère, mais quand tu as l'enfant de Dieu, tu vas commander les choses et les choses vont commencer à se manifester. Lève-toi, vas-y dans cette ville, vois une veuve. Mais est-ce qu'il savait le confort de la veuve?
n'y avait rien, il y avait une précarité. C'est une parenthèse. Frère, quand vous voyez l'homme de Dieu servir le Seigneur, c'était un gros fardeau. Moi, je vous dis une chose, je ne vais pas rester longtemps. Quand je voyais les pauvres pasteurs, moi je faisais la politique avant. Quand je voyais les pasteurs, je disais les pauvres gars, ils sont paumés. Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient mal habillés, je disais à quelqu'un que si c'est pour être pasteur salarié, je peux faire le business, je suis libre. Que d'être comme ça, à chaque fois qu'on parle aux gens, les gens vous manquent de respect. Et à chaque fois, quand on est homme de Dieu, c'est Dieu qui travaille ton cœur. C'est Dieu qui travaille ta vie. Même là où les gens te crachent dessus, parce que tu es de travail. Alléluia. Et il y a un prix à payer. La Bible dira que Salomon, j'ai tout entendu, mais sache une chose, que la seule condition que le peuple, ton peuple, veille à la sanctification, à l'intégrité, à la loyauté. Lisez la Bible. Je l'ai laissé, j'étais en larmes à la maison. Dieu était un Dieu de conditions. Pour les gens qui étaient à l'école, qui ont fait les mathématiques, si delta égale à ax carré plus bx plus c, il faut chercher delta. Condition. Dieu est conditionnel, vous allez voir toute la Bible. Si tu fais ceci, voici ce que tu auras. Juste, même, juste pas la magie. Dieu, comme le miracle qui tombe comme ça, Dieu, même si tu as reçu une prophétie, il faut attendre que l'homme intérieur soit formé en toi, que tu aies la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, le Seigneur, ça sera que du blabla. Mais Dieu pose des conditions. Regardez. Je ne vais pas rester longtemps, comme il y a deux prédications. La Bible nous dit. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Nous allons également prendre, pour vous montrer la confirmation, on va également prendre 1 Roi chapitre 2. S'il vous plaît, 1 Roi chapitre 2. Je vais lire en vitesse. David, la Bible dit ceci, que David approchait de la fin et il donna des ordres à son fils Salomon en disant: moi je m'en vais, où va tout ce qui est terrestre? Sois fort et sois un homme, observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies quoi? Du succès. Afin que tu aies du succès, frère. Tu ne peux pas avoir du succès si tu ne payes pas le prix qui est à ton voisin. Ça serait trop facile. Afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde, regardez ma version, il dit, si tes fils prennent garde à leur voix en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur les trônes d'Israël. Et la même parole dans 1 Roi chapitre 1, si vous le lisez dans la maison, Dieu va confirmer cette prophétie à qui? À la maman. Vous savez, quand vous voyez un roi, vous allez voir la mère à côté. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Quand vous voyez un président, vous allez voir sa mère. La Bible dit que David va également parler à qui? À Bathsheba, la maman de qui? De Salomon. Je te le conjure, j'ai fait alliance avec Dieu, je vais le prévenir. Que c'est lui qui sera roi. C'est un fils qui s'entraîne de les entrailles. Vous savez, ça, David avait combien d'enfants? Il avait beaucoup d'enfants. Il y avait Absalom. Il y avait qui d'autre? Il y avait Amnon. Il y avait Adonijah. Il y avait Tamar. Alléluia. Et il y avait Salomon. Mais Salomon, c'était pas l'aîné. Après que la mort de Absalom, il y avait Adonijah qui avait à peu près 35 ans qui combattait la royauté. Mais la Bible dirait que Dieu avait un regard favorable envers Salomon. Parce que Salomon avait un cœur tout entier, sans partage. Alléluia, au Seigneur. Amen. Dieu dirait que c'est lui qui sera roi. C'est bien Salomon. Tu vas le confirmer. Frère, ta vie aujourd'hui dépend de ton obéissance. Dis à ton voisin. Ta vie dépend de ta sanctification, de cet amour que tu as pour servir le Seigneur. Amen. Et c'est là où Dieu fera la différence. Alléluia. L'Ami dirait que son frère Adonijah va faire des guerres pour prendre l'autorité. Mais la Bible dira que c'est effectivement Salomon. Alléluia. Mon petit message de cet après-midi, c'est que Dieu attend que l'homme veille à sa conduite. Alléluia. Amen. Que tu veilles. Vous savez, Satan là, il ne faut pas se leurrer. Mais il aura peur. Il va te respecter en fonction de ton comportement. Qui est ton voisin? Amen. Ton comportement. Je disais à un frère, tout à l'heure, j'ai pris le transport. J'ai dit, c'est qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de. L'ennemi n'a pas besoin de verset biblique. Oh! Jean 3, 16, on connaît. Jean 15, il y a des gens qui sont comme des perroquets, qui sont des versets pas possibles. Ils le connaissent.
Mais vivre dans ce verset-là, c'est autre chose. Alléluia, dis à ton voisin. J'aime dire que ne vous bornez pas à écouter ce que la parole me dit, à vivre. Le mettre en pratique, c'est cela tout l'homme. C'est vivre dans la parole. Tu prêches un peu, mais tu manifestes la grâce et la parole vit en toi. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Les comportements. Les livres vont perdre tes principes, même si tu as assemblé tous les dimanches, tu balais la salle. Tant mieux. Mais il t'attend au tournant ton comportement. Viens ton voisin. Avant que je continue, on avait une séance de délivrance avec deux autres amis pasteurs. Pendant qu'on chassait les démons, et bien il y a un démon qui est sorti dans le corps de cet homme-là, qui a dit que toi je t'aurai. Moi je lui dis que c'est moi. Ah non, c'est pas moi, heureusement, c'est pas moi. Il a dit non, c'est un tel, je t'aurai, je te coince avec toi. Quand je vous assure, quand je suis là, j'avais un peu froid. Je dis que ces choses-là, c'est pas de la plaisanterie. Bien-aimé, c'est pas de la plaisanterie, je ne plaisante pas. Avec le temps, je me suis rappelé de cette prophétie qui est sortie dans le démon. Et cet homme-là, aujourd'hui, dans le tourment, je le connais. Je me suis dit que Seigneur, il faudrait qu'on fasse attention au comportement. Frère, voilà pourquoi avant de servir le Seigneur, il faut bien se mettre assis et te dire que, est-ce que es-tu prêt pour servir le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas de porte ouverte? Est-ce que ton comportement est digne de servir le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3, si vous le lisez, à partir du premier verset, la Bible dira que c'est ainsi que la femme doit être soumise à qui? À son mari. Il dirait que car beaucoup d'hommes ne pourront jamais être gardés comme moi en parole au verset biblique, mais seront gardés au comportement. Amen. Une femme qui a la grâce, qui chante la louange, qui danse dans sa maison et qui s'occupe bien de son mari, même si le mari est païen, bien franc-maçon, frère, dans le temps de Dieu, Dieu l'amènera au Seigneur. Amen. À cause du comportement de cette femme. Amen. Qui connaît la clé du Seigneur. Amen. Qui connaît l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez le comportement? Mais le comportement, c'est important, bien aimé. Seulement dire à chaque fois, Seigneur, je me souviens d'où tu m'as pris. Nous avons besoin, bien aimé, de réparer vite. Mais de se rendre compte que est-ce que les gens, quand les gens me voient, est-ce que les gens sont attirés par moi? On n'a pas besoin de montrer comme les gens conduisent des véhicules avec un petit poisson derrière pour dire chrétien. Il n'y a même pas d'assurance. Il y a même fait une pression pour l'assemblée. Moi, il dit, toi, tu fais de peur aux bouches. Un jour, il m'a dit, frère, tu vois, tu as trop prêché là-bas. Mais ta voiture n'a même pas la vignette d'assurance. C'est pas ça. Dieu regarde le comportement. Quand les gens nous voient, quand les gens te voient, les gens, ils te surveillent en regardant ton comportement, ton mode de vie, l'amour que tu as pour les gens. Regardez, pourquoi l'église aujourd'hui, comme la sœur disait, qu'il n'y a pas assez d'impact? C'est parce que les gens n'ont pas compris qu'il y a des choses, il faut aller dans le bain, dans la base. Connaître le Seigneur, changer ta vie, ton mode de vie. Vous savez, dans Actes chapitre 11, la Bible, c'est pour la première fois que les disciples ont été appelés comment? Chrétiens. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait de l'amour entre eux. Il y avait de l'hospitalité. Il y avait de la libéralité. Les gens, c'est vraiment, il y avait une complicité dans le corps de Christ. Alléluia. Et le Seigneur nous demande que nous ayons une conduite irréprochable. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira que il faut que ta conscience soit irréprochable. Alléluia, devant qui? Devant Dieu, devant les hommes. Amen. Souvent, on peut être à l'assemblée pour faire semblant. Il y a l'hypocrisie totale. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que tu sois vrai. Celui qui va te bénir, c'est le Seigneur. Celui qui est la source de bénédiction. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ta cousine. C'est pas... Il connaît même pas ton appel. Dieu a voulu le projet de paix, non de malheur. Alléluia. Dans le service que nous attendons, c'est un véritable changement, bien aimé. Je vous en supplie. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de gymnastique, c'est ton comportement qui l'intéresse. Amen. Il y a une version, la Bible sévère, qui me dit ceci, que ce que Dieu attend de toi, simplement, selon cette prophétie, c'est que les descendants de David veillent. Veiller signifie se garder pur. Veiller signifie se contrôler, se surveiller. Alléluia. Amen. C'est pas autre chose. Le plus miracle, c'est le changement. Amen. Je sais pas si quelqu'un m'entend. Amen. Le changement, bien aimé. Vous ne pensez pas que lorsque nous sommes dans nos maisons, il y a des gens qui nous connaissent. Christ, ça y est, ils vont partir bientôt. À l'époque, l'assemblée était à la maison. À un moment donné, on n'avait pas d'endroit où prier. L'assemblée était à la maison chez moi. Et j'ai des voisins qui sont des blancs, des portugais, tout cela. À chaque fois, ils connaissaient que je chez vous sur la musique. Moi, oui, un peu la louange. Oui, on entend tout. Ça veut dire que le comportement, imaginez que le matin, je ne vais pas mettre ma femme dehors. On m'a dit, mais c'est des chrétiens.
Mais les gens nous voient, les gens savent que vous êtes un homme de Dieu. Il y a des gens qui vous découvrent comme ça, qu'on croit dans la rue, parce qu'ils vous connaissent. Mais est-ce que ton témoignage que tu as là, la Bible dit que nous sommes un modèle, et les hommes et les femmes qui nous regardent, on est exposés devant le fou, le peuple. Modèle. Est-ce que nous sommes un modèle cet après-midi? Dieu ne cherche pas beaucoup d'enfants, mais Dieu cherche des qualités. Dieu n'a pas une vision quantitative, mais une vision pour la qualité. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu cherche un homme, la Bible dit Dieu, même dans une fille, un homme qui craint Dieu. Pas trois hommes, dix hommes, s'il y en a tant mieux. Mais Dieu commence par la qualité. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez connaître le bouleversement de vos vies? Commencez à soigner vos vies à vous. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il y a quelques temps, je suis parti au Congo, où j'ai rencontré les gens de ma famille, c'était des sorciers qui m'ont dit que moi je suis sorcier, lui aussi il est sorcier. Je disais que waouh, Seigneur, c'est un challenge pour moi. Parce que je connais le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. Les gens te disent que peut-être tu auras peur. Non. Parce qu'ils connaissent l'homme intérieur qui est en toi. Ils connaissent. Ils te disent que nous sommes de la sorcière. Lui aussi, le monsieur là. Il ne faut pas qu'il te montre. Nous sommes des lions. Voyez? Parce que ton comportement est irréprochable. Alléluia. Les démons connaissent les hommes qui sont dans vos règles. Ah oui? On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais ton comportement ne va pas lutter parce que ton comportement sera propre et toutes les portes seront fermées. Mais si tes portes sont ouvertes, c'est là où tu auras le problème. Voilà pourquoi on t'a donné qu'un tel, il y a un souci. Tel souci. Parce qu'il y avait des portes qui étaient ouvertes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On va lire Proverbe chapitre 16, verset 17. Je vais gagner du temps. Proverbe chapitre 16, verset 17, dit que celui qui veille sur sa voie garde son âme. Le Seigneur demande de veiller à ta conduite, veiller à ta vie. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Amen. Il dit ceci que celui qui veille sur sa voie garde son âme. Il y a aussi 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Paul dira à Timothée que veille sur toi-même et sur ton enseignement que tu as reçu. Alléluia. Amen. Et enfin, on va lire Éphésiens chapitre 5. Quand on lisait Éphésiens chapitre 5, il nous dit ceci. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le nom de Jésus. Il dit ceci. Je vais lire à partir du verset 15. Il dit ceci que veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous devons racheter le temps d'où chacun doit se conformer par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que les gens disent que le lion, c'est le roi de la forêt. Je vous dis aujourd'hui que le lion n'est pas le roi de la forêt. Alléluia. Amen. C'était les raisons culturelles. C'est aussi à cause de sa crinière qui montre que le lion, c'est le roi. Vous allez voir que le lion est mangé par le caïman quand il est dans l'eau. Vous le saviez? Ça veut dire que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 10, verset 16, que soyez simples comme quoi? Soyez simples comme les... Comme les gants? Les colombes. Et soyez prudents comme les serpents. Alors que le serpent, il a un venin. Voyez? La prudence, donc Dieu lui demande la prudence. Que veillez à ta vie, que tu sois prudent. Ne te dis pas que tu as l'anxiété du jeûne de 15 jours. L'ennemi n'a rien tiré avec ça. Il te demande la prudence. Je vous dis, frère, je vous dis, la prudence, c'est-à-dire que malgré l'anxiété qu'on porte sur nous là, j'ai besoin de faire attention. Ah oui, bien aimé frère, c'est pas la course à la montre là. Tu ne sais pas celui qui est de ta famille, tu ne sais pas celui qui est ton voisin, tu ne connais pas celui qui habite dans le deuxième palier. Alléluia. Mais la Bible dirait que soyez prudents comme les serpents. Vous savez l'animal qui mange le serpent? Vous le connaissez? C'est le mangouste. Le mangouste, sa chair préférée, comme nous on dit la viande, c'est le boa, le serpent. Il va le poursuivre pour le manger. Bien le serpent s'est interpellé. Le serpent, malgré son venin, il fait attention à tout. Alléluia. Il y a la prudence. Dieu nous éduque comme il éduque un homme. Et la colombe, elle est simple parce que la colombe vit dans un lieu déterminé. Il n'est pas partout à la fois. Voilà pourquoi nous avons de la prudence. Vous avez vu le lion? Ce n'est pas le lion de la forêt. J'ai vu un lion à manger par un crocodile.
Je te proposais un lion, mais bien sûr qu'on mange. S'il n'est pas fruité intelligent, il se fera manger. Alléluia. Ton comportement doit changer, frères et sœurs. Dieu, ce qu'il attend, c'est que si tu obéis, regardez la Bible, Deutéronome chapitre 28. Vous le connaissez, non? À partir du premier verset, la Bible commence que si tu obéis, comment? Tu obéis à ton pasteur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, si tu marches en conformité, voici ce qui t'arrivera. Regardez la Bible. Chaque parole de Dieu est conditionnée par si. Voici ce qui t'arrivera, tu seras béni dans la vie. Il y a des gens dans la ville, on est à Paris, non? On est africains, il y a des Antilles, il y a des natifs du pays qui ne sont pas bénis dans la vie. Alors que certains sont bénis. Tu seras béni au départ, tu seras béni à l'arrivée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tout c'est une condition de volonté. Je ne vais pas rester longtemps, je commence à finir. Frère, il nous faut la bonne volonté pour servir le Seigneur. Alléluia. Et cette volonté va nous pousser à un changement radical de ton comportement. Tu ne serais pas tout à parler à des versets. Moi, il y a des hommes qu'on a gagné par la grâce de mon travail. J'ai travaillé avec des musulmans. Mais il y a mon chef de quelqu'un qui est venu me voir, monsieur Bissengo. Il faut que je vous voie. Parce que votre comportement, mais qui vous êtes dans la vie? Frère, voyez, ce n'est pas des versets bibliques. Ton comportement. Tu es un playboy, tant mieux. Tu ne donnes pas les versets comme ça pour déranger l'atmosphère de paix et de sécurité. Je rentre, alléluia. Oh, mes amis, comment allez-vous? Je touche le cœur, alléluia. Là, mon chef de qui pour me bénir? Pour découvrir c'est quoi la Bible. Alors c'est un musulman, il a fait le ramadan, mais les chefs font le ramadan, je ne comprends pas. Frère, si tu ne comprends pas, prends le ramadan, moi je te montrerai. Alléluia. Frère, tu sais ce qu'il attend, c'est les comportements, un changement. En fait, tes familles n'ont pas besoin de faire trop de prédications, de versets. Ton comportement à toi. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. On a des parents qui ne croient pas en Dieu, c'est pas un problème, ton comportement doit changer. Amen. Si les comportements changent, vous savez, pour finir, mais si elle ne vient pas chez moi à la maison, parce que quand j'arrive, priez. Quand tu parles, priez. Les gens disent, oh là là, si on arrive là-bas, priez. Il n'y a pas de vie, il n'y a même pas de regarder la télé. C'est interdit. Je me suis rendu compte que c'est un danger pour moi. Alléluia. Amen. Et j'ai changé. Je me dis, venez, vous venez chez moi, on peut passer du temps. Mais c'est Dieu qui touche les gens. C'est Dieu qui touche les familles. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Frère, c'est pas. Ça veut dire les choses, on n'a pas bien compris. C'est le Seigneur qui est capable de toucher, même sans que toi, tu le fasses. Amen. Tu touches. Vous avez compris quelque chose? Amen. Sinon, on sera trop religieux. Dieu n'a pas besoin de religieux. Il a besoin que l'esprit de l'équipe en toi la puisse commencer à travailler. Amen. Par la bonté de Dieu, l'hospitalité, l'humilité. Dieu te parle, tu obéis. C'est ça que dans le temps de la fin que Dieu attend. Amen. Alléluia. Amen. Elle est en train de demander si vous êtes trop dans le temps de la fin. Beaucoup d'hommes seront orgueilleux, amis des gens de mauvaise vie. Et c'est sur le temps dans lequel nous sommes. Garder la foi, c'est difficile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul m'a dit dans 1 Timothée 1, 19 que Timothée, je te prie vraiment de servir le Seigneur. Suite à tes prophéties faites à ton égard, je te prie de garder la bonne conscience que beaucoup d'hommes ont perdu. Ils ont connu quoi? Les naufrages. Et ben, s'il n'y a pas ça, vous connaissez les naufrages, hein? C'est l'échec total. Et beaucoup d'hommes ici, dans nos vies, ce sont les naufrageurs. Vous connaissez les naufrageurs? Ils vont causer leur propre naufrage. Donc, si tu vas causer ton propre naufrage, commence à régler ta vie. Selon la parole de Dieu, bien sûr. Amen. Commence à te confirmer. Et tu verras que tu ne vas plus pousser où les bénédictions. Même très que j'aurai la bénédiction de suivre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Bien aimé, c'est le comportement. Soyez vrai avec le Seigneur. Marchez humblement. Et c'est là qui te bénira. C'est le Seigneur qui te libère. Là où tu ne comprends pas, c'est la vraie affaire de jeûne comme tu peux imaginer. Mais si le comportement n'est pas bon, ton jeûne ne servira à rien. Amen. Le comportement, l'humilité, l'amour de Dieu. Ça tombe au Seigneur. Et tu verras. Moi, je n'ai pas beaucoup des autres Seigneur. Mais le peu que je connais, c'est que Dieu n'abandonne jamais un homme intègre. Amen. Jamais. Amen. Tu pourras pleurer chez toi, mon frère, ma soeur. Jamais, jamais, jamais. Mais je prie que Dieu ne m'enlève pas l'amour. Tu me donnes encore plus l'amour. À le servir. Alléluia. Amen. Après que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est quoi la retenue? La conduite. Dieu attend la conduite. Amen. Un bon témoignage. Parce que nous sommes des modèles et nous sommes les seuls de la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a que Jésus qui ne change pas, mais nous sommes appelés à changer. Seigneur, attire-nous à toi, Seigneur.
pour te dire encore ce soir que tu es tout pour nous. Personnellement, j'aimerais encore te dire que tu es tout pour moi. Toi, le Dieu qui m'a racheté de ma vaine manière de vivre. Et il t'a plu, Éternel, selon ton bon plaisir, Dieu, de faire de moi ton enfant. Merci, parce que à cause de ce sang qui a coulé à Golgotha, j'ai été lavé, purifié et justifié. Merci, Seigneur. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour ce peuple réuni. Et merci pour tout, Éternel Dieu. Depuis hier, tu as commencé à nous parler. Tu as commencé à nous enseigner. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni, toi, le Dieu grand et glorieux. La Bible dit, au commencement était ta parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. Merci parce que tu as habité parmi nous plein de grâce. Et par ta parole, tu l'as envoyé. Et plusieurs personnes ont été guéries. Bénis ces instants encore. Que nous te recommandons sous ta grâce au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons le roi des rois et le puissant roi de tous les rois. Alléluia. Alléluia. Je veux sauver. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qui m'a été accordée. Je tiens encore à dire merci au pasteur. Alléluia. Douglas, ainsi que toute l'église et tous les collaborateurs pour cette marque de confiance. De revenir encore au milieu de vous afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour les interventions. Vous savez, des fois, c'est très important de s'asseoir et de recevoir la parole. Amen. Amen. C'est édifiant. Alléluia. Amen. Moi, j'aime ça, des fois, venir et m'asseoir et écouter. Et c'est très important. Ça nous permet d'apprendre, de recevoir ce que moi, je n'ai pas, je reçois de la part de l'autre. Et c'est ce qui permet à c'est pour cela qu'on nous appelle, nous sommes le corps. Amen. Amen. Ce que la tête ne peut pas faire, la main va la faire. Amen. La pensée que le bras n'a pas eu, le pied l'a. Amen. Et lorsque le pied libère cette pensée, le bras reçoit et saisit. Et c'est une révélation, c'est une édification pour le bras. Amen. Alléluia. Et ça nous permet d'avancer. Je bénis Dieu pour l'évangéliste Fernand. Hein? Alléluia. J'ai eu la grâce de le voir souvent dans les vidéos. Et c'est pour moi un privilège aussi de vous voir cet après-midi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons parler sur où sont les Élie. Je bénis Dieu parce que les orateurs qui sont passés nous ont apporté la parole. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de pouvoir apporter ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons lire 1 Roi le chapitre 18. Roi 18, le verset 15, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abias, étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab s'est rendu à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baal. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akira qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alléluia. Je prends le verset 27. Je vais sauter. À midi, Élie s'est proclamé et dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea les bois, découpa les taureaux ennemis sur
le bois. Alléluia. Amen. Le verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent : c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Dieu leur dit : saisissez le prophète de Baal, auquel eux échappent. Ils le saisirent et il les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Alléluia. Amen. Où sont les guéris ? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle, on se pose cette question : où sont les guéris ? Simplement parce que, effectivement, il n'y a pas d'Élie. On ne retrouve plus les Élie dans ce que je peux appeler le contexte de la chrétienté. Lorsque cette question se pose, c'est qu'il y a un vide qui se fait ressentir. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu veut susciter les Élie, c'est simplement parce que Dieu aimerait restaurer l'esprit des Élie. En d'autres termes, l'esprit qui a animé Élie. Ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que lorsqu'on parle, on voit l'aspect de Élie. Dieu, lorsqu'il veut restaurer, c'est simplement parce qu'il veut susciter des ministères prophétiques et des ministères de puissance. Amen. Amen. Lorsque je parle du ministère prophétique, je ne vois pas forcément ou simplement le fait de dire « ainsi parle l'Éternel ». La Bible dit dans Apocalypse que le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Lorsque la Bible parle du prophétique, le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, c'est qu'en ces temps de la fin, Dieu aimerait susciter une génération des hommes qui ont la parole et la démonstration de cette parole. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. La Bible dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage et après quoi viendra la fin. Amen. La fin de toutes choses est proche. Alors il y a certaines personnes qui ne pourront accéder au royaume de Dieu que si ils voient la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit ce texte, vous allez vous rendre compte que vers la fin, le peuple tout entier qui était tombé dans l'idolâtrie finit par dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. En d'autres termes, ils ont complètement oublié Baal. Mais ils se sont alliés aux côtés de Dieu. Amen. Pour reconnaître la Seigneurie de Christ. Amen. Amen. Mais cette histoire, avant de commencer de parler d'Élie, on va d'abord se poser la question, peut-être que les orateurs qui ont passé l'ont dit, peut-être que c'est une répétition, mais permettez-moi de pouvoir encore le dire. On va d'abord connaître la signification de Élie, du nom d'Élie. Élie provient de l'hébreu Elijah. Elijah qui veut simplement dire mon Dieu est Yahvé ou le Seigneur est mon Dieu. Amen. 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 Déjà au travers de ce nom, on va réaliser et comprendre que Élie, sa vie, était une vie qui était consacrée à Dieu. De par son nom déjà, qui veut dire l'Éternel est mon Dieu ou c'est le Seigneur est mon Dieu, Élie était un homme qui était sous la conduite ou sous la mouvance de l'Esprit de l'Éternel. Donc lorsque Dieu veut susciter une génération d'Élie, c'est que Dieu veut susciter une génération des hommes et des femmes qui ont cédé, qui ont donné leur vie à Christ. Des personnes qui vivent totalement, qui ne dépendent que de Dieu, qui dorment, qui se lèvent, qui se réveillent, qui respirent Dieu. En d'autres termes, ils n'ont plus rien d'autre, la raison de vivre même, c'est Dieu. La raison. Ce sont les telles personnes sur qui Dieu va porter ses regards, sur qui Dieu va déposer sa grâce, afin de faire d'eux des instruments qui permettra à ce que le royaume des ténèbres soit dépeuplé pour que le royaume des cieux soit peuplé. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens toujours de la vision que j'avais fait un jour. C'était en 2008, si je ne me trompe pas, ma femme pourra me rappeler. Je fais un rêve. Dans ce rêve, je me retrouve dans un endroit où nous étions tous assis
C'est comme si c'était une salle d'attente. Et du coup, je vois un homme entrer, vêtu de blanc, entrer, ouvrir la porte. Dès le moment où cet homme est entré, nous sommes tous levés sans pour autant qu'on nous fasse signe. Et nous sommes passés par une porte. Lorsqu'on a traversé cette porte, j'ai oublié un détail. Avant de passer par la porte, j'ai reconnu une sœur qui était ici à Paris à l'époque, qui chantait pour le Seigneur, mais qui était morte. C'est là que je me suis dit, oh, effectivement, c'est que je suis aussi mort. Cet homme se lève, il ouvre la porte, nous traversons cette porte. Et au moment où nous traversons la porte, je vois devant moi deux chemins. Le premier chemin, c'était à ma droite, qui n'était pas très 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 long. Je pouvais voir un trou juste à côté. Il y avait quelques personnes qui avançaient sur ce chemin et qui tombaient dans le trou. En d'autres termes, il y avait le feu. Mais le chemin qui était en face de moi était un chemin qui était vaste, élargi, et il y avait beaucoup de monde. Et c'était un chemin où il y avait beaucoup de lumière. Et ce qui m'avait interpellé, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons traversé, on a dépassé ces chemins où les gens allaient en enfer, pour pouvoir prendre le chemin qui était en face de nous, il y avait devant nous des écrans, comme des écrans de télévision, où les vies de plusieurs personnes défilaient de la naissance jusqu'à un certain âge. Je me souvenais toujours qu'il y a une parole qui est sortie du fond de mon cœur qui disait, je disais à mon cousin, j'ai reconnu un de mes cousins, je lui ai dit, José, Dieu a fait un travail. Nous avons été nombreux à être sauvés. L'agneau n'était pas mort en vain. Amen. Alléluia. Amen. Et plus on avançait, on chantait les cantiques. Et quand je me suis réveillé, j'avais tellement paniqué. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Peut-être que je risque de mourir dans la journée. Mais simplement en comprenant cette vision, bien aimé dans le Seigneur, je réalise que la pensée de Dieu est que les nations soient sauvées. La pensée de Dieu est que le pécheur ne meurt pas dans son péché. La pensée de Dieu est que cette personne qui est dans l'idolâtrie, cette personne qui est athée, cette personne qui ne connaît pas le Seigneur, fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Mais comment cette personne fera l'expérience? C'est au travers de toi et au travers de moi. Voilà pourquoi la Bible dit, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir des témoignages. Et après quoi viendra la fin. Dieu attend à ce qu'un grand nombre de personnes acceptent. Du reste, si l'Éternel ne revient pas encore bientôt, c'est parce que Dieu use de patience afin qu'un grand nombre soit sauvé. Des fois, je ne comprends pas comment est-ce que les pasteurs se battent. Oh non, il a pris mon fidèle. Il a pris tel fidèle. Bien aimé, ils sont tellement nombreux dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Je vous donne un exemple. Je suis revenu, j'étais en province, je suis revenu. J'avais une église. Il y avait des fidèles. Mais lorsque je suis revenu pour rebâtir l'église, j'ai demandé à toutes ces personnes qui faisaient partie de l'église où j'étais pasteur, je leur ai dit, là où vous allez, restez-y. Je recommencerai à zéro. Parce que vous avez reçu ce que Dieu a voulu que je vous donne à un certain temps. Là maintenant, ma mission, c'est de gagner ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Je vais les prendre à zéro. C'est pas un problème. Lorsque Élie se présente, ou avant qu'Élie ne se présente, ce que nous devons comprendre, c'est que pendant ce temps, Élie avait réalisé une chose. C'est que Dieu avait établi des rois. Dieu avait établi des lévites. Mais toute cette génération de personnes s'étaient écartés du chemin de Dieu. Ils ont donné accès à Baal. Ils ont donné accès au Dieu des païens. En d'autres termes, ce n'était plus Dieu qui était Seigneur, mais c'était les dieux des païens qui gouvernaient et qui contrôlaient. Akab était là. Plusieurs rois qui ont été établis. Aucun des rois du royaume du Nord n'a été fidèle envers Dieu. Et la Bible nous montre que chacun avait agi, avait entraîné le peuple à tomber dans l'idolâtrie. Alléluia. Les prêtres, les lévites, ainsi de suite, ils étaient tous corrompus et inefficaces. Et pendant cette période de crise, que Dieu maintenant suscite le prophète Élie. Quelqu'un qui vient avec une autre pensée.
la rébellion. Mais il vient pour apporter une réforme. Il vient pour rétablir les choses. Il vient pour redéfinir les définitions. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui est important. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent être redéfinies afin que certaines personnes comprennent quelle est la vérité de la parole. Élie a été choisi par l'Éternel afin qu'il amène le peuple d'un point A pour un point B. En d'autres termes, pour les ramener vers leur Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Et il est très important de comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Élie, ma soeur avait parlé tout à l'heure, on ne parle pas simplement de la personne d'Élie ou ce n'est pas le fait de porter le nom de Élie parce qu'il y en a nombreux, mais c'est l'esprit qui a animé Élie. Amen. De la même manière, lorsqu'on défend certaines personnes, on défend aux chrétiens d'écouter la musique du monde. C'est à cause de l'esprit qui est derrière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, en ces temps de la fin, lorsque Dieu parle de où sont les Élie, Dieu veut susciter une armée de servantes et de serviteurs. Amen. Dieu veut susciter une armée de personnes qui auront compris le sens de leur mission et qui se lèveront pour Dieu, des personnes qui seront prêtes à mourir pour l'Éternel. Amen. On n'a plus besoin dans l'église de téléspectateurs, des spectateurs plutôt. On a besoin des acteurs. Amen. Des personnes qui auront compris la mission. Des personnes qui auront dit, je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Je suis venu parce que Dieu m'a permis d'être en vie parce que j'ai une mission. Alléluia. Amen. Lorsqu'on comprend cela, parce que le problème, ce n'est pas aujourd'hui dans l'église. Au jour d'aujourd'hui, on a toujours tendance de pouvoir aller vers les pasteurs. Ce qui est très important, tu as établi un berger qui doit nous conduire dans la voie que l'Éternel a prévue pour nous. Mais les bergers, lorsqu'ils nous enseignent, c'est pour que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle nous permettra d'accomplir le œuvre du Père. Lorsqu'un enfant a 2 ans, 3 ans, il fonctionnera comme un enfant de 2 ou 3 ans. Mais lorsqu'un enfant qui a 15 ans continue à faire pipi comme un enfant de 1 an et 2 ans, c'est qu'il y a un problème. Alors lorsque Dieu dit, où sont les Élie? L'Éternel veut susciter, ou en d'autres termes, veut amener le peuple d'une étape à une autre pour leur permettre de prendre conscience que nous ne sommes plus appelés à rester au stade de l'air, mais nous sommes appelés à atteindre le stade de la maturité spirituelle. Amen. Parce qu'un enfant est une responsabilité pour ses parents. Mais un fils est un don. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es encore au stade d'enfant, tu as une responsabilité. Alors Dieu aimerait que tu quittes l'étape d'enfance pour accéder à l'étape de fils. Amen. Afin que tu deviennes responsable. Parce qu'un responsable comprendrait que tel esprit qui anime, ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. Alors je ne suis pas appelé à pleurnicher, je suis appelé à les réprimander et à les chasser dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais lorsque tu es au stade d'enfant, tu vas venir toujours. Tu vas commencer à pleurer. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas. Mais lorsque tu atteins le stade de fils, tu comprends et tu sais que tu sais. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de cette vérité vous affranchira. Tu ne seras plus quelqu'un qui va être accompagné par les autres, en d'autres termes, qui se laissera entraîner par les tactiques de l'ennemi, où l'ennemi viendra et jouera comme il veut. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils dorment la tête, sont devenus comme des ballons de football. Non. Dis-toi, je suis un Élie. Et parce que je suis un Élie, je dois marquer ma génération. Amen. Non, vous ne parlez pas. Répondez avec moi avec force. Bien-aimé, ce séminaire n'a pas été fait seulement pour le plaisir d'écouter. Mais c'est afin que, après ces choses, amen, que vos vies ne soient plus les mêmes. Amen. L'évangéliste Ferdinand l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Afin que, en sortie de ces lieux, après les 3 jours, que vous puissiez dire certainement, Dieu m'avait visité. Amen. Vous savez, lorsqu'on comprend à quoi on est appelé, lorsqu'on sait qui on est, ah, on ne reculera plus devant quoi que ce soit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un enfant réalise qui est derrière lui, ou en d'autres, c'est lui qui fait sa force, bien-aimé, tu peux venir le gifler, mais il risque de te réprimander.
Lorsque tu sais qui tu es, alors tu agiras en conséquence. C'est très important. La pensée de Dieu, lorsqu'il nous parle de Élie, vous avez remarqué que Élie a remarqué que quelque chose n'allait pas. Alors il a déclaré une chose, ce qui m'a attiré mon attention, c'est quoi? Dans le verset 15, Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens. Amen. Alléluia. Lorsque tu te tiens devant ces dieux, tu pourras tenir debout face à toute situation qui se présentera à toi. Amen. Un homme qui se tient devant l'Éternel n'aura pas peur de faire face aux situations et aux réalités de la vie. Donc, premièrement, lorsque Élie parle, il dit, l'Éternel, le Dieu, devant qui je me tiens, est vivant. Aujourd'hui, je le présenterai devant Atta. Nous voyons par là que Élie était ami à la présence des dieux. Donc, il connaissait les dieux qu'il servait. Ne peut être Élie, ne peut manifester l'esprit d'Élie que celui qui se tient devant l'Éternel. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui dans nos églises, les fidèles. Lorsqu'on pose la question qui a lu la Bible tout au long de la semaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui vont dire personne, peut-être. Il y a peu de chrétiens qui prennent assez de temps de demeurer dans la présence de l'Éternel afin de pouvoir comprendre, d'étudier la Bible. Alléluia, comme les chrétiens libérés. Lorsqu'on développe cette communion avec l'Éternel, on s'enveloppe de la présence de l'Éternel. Parce que la puissance de Dieu se manifeste là où la présence de Dieu règne. Donc on ne peut pas parler de la puissance sans pour autant faire allusion à la présence. La puissance se cache dans sa présence. En d'autres termes, sa gloire, qui est la manifestation de la présence de l'Esprit Créateur, lorsque sa gloire apparaît, elle agit, c'est alors qu'on voit cette puissance se manifester. Donc, la personne qui applique ou qui apprend à demeurer dans la présence de l'Éternel accomplit d'abord quelque chose, sans pour autant se rendre compte. Il permet à ce que sa vieille nature s'efface et que la nature de Dieu prenne place. Parce que la puissance de Dieu ne se manifeste que dans la vie de ces personnes qui ont su soumettre leur moi à celui qui règne et qui vit à jamais. Et c'est un processus. Et ce processus se fait à chaque fois que l'on vient dans la présence de l'Éternel. Plus tu vas t'approcher de lui, plus tu reconnaîtras tes erreurs. Comme Esaïe, la Bible dit, l'année de la mort du roi Ozias, il est dans la présence de Dieu, il a eu la révélation de la sainteté de Dieu. Il dit, malheur à moi, homme aux lèvres impures. Il a reconnu son état. Et c'était un point de départ. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent la puissance, sans pour autant demeurer dans la présence de l'Éternel. Ou en même temps, ils veulent la puissance sans l'intimité. Il n'y a pas de puissance sans intimité. Ce qui a fait la force d'Élie, parce qu'il a dit, l'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. Il connaissait ce Dieu. Il avait vu la manifestation de ce Dieu. Il savait de quoi son Dieu était capable. Alors, connaissant toutes ces choses, il n'avait pas peur de pouvoir affronter Akam. Alléluia. Akam, c'est toute situation qui peut être compliquée. C'est comme Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, à l'époque, le roi, là où ils étaient en captivité, ce n'était pas n'importe quel roi. Alors pour que Shadrach, Meshach et Abednego puissent désobéir à la loi que le roi avait imposée, c'est qu'ils connaissaient les dieux qu'ils servaient. On est venu rapporter au roi que non, voilà, un tel, ils n'obéissent pas à ta loi. Alors il fait appel à eux, il leur dit, mais vous n'obéissez pas à la loi, pourquoi? Il demande à ce qu'on puisse chauffer. Du reste, il croyait que dans sa présence,
ils pouvaient avoir peur, ça pouvait les intimider. Mais non, ils n'ont pas été intimidés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les dieux qu'ils servaient. Beaucoup des serviteurs des dieux aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, se sont corrompus. Simplement pourquoi? Je me pose la question, est-ce que ces personnes avaient-ils réellement une rencontre avec Dieu? Parce que c'est lui qui aura rencontré réellement l'Éternel, le Dieu qui est vivant. Face à de tels obstacles, face à certaines situations, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui peut tenir ferme. Parce qu'il sait que son Dieu est vivant. Amen. Premièrement, un Élie est quelqu'un qui a développé l'intimité avec le Seigneur. Parce que les choses que tu pourras dire face aux autres personnes, tu ne peux le puiser, le recevoir que dans la présence des dieux. Un Élie ne parle pas de lui-même. Ou il ne parle pas de ce que lui il veut dire. Lui il parle de ce qu'il a entendu Dieu dire. Amen. Et c'est là qu'il rapporte au peuple. Et lorsqu'il reçoit des dieux, il le rapporte fidèlement. C'est là qu'il y a les résultats. Il n'y a plus les résultats aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on inclut les sentiments. Amen. Je me souviens un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu. Comme on invite toujours les hommes de Dieu, cet homme de Dieu a été, je l'ai invité. Bon, en fait, à l'époque, je ne savais pas trop bien. Une fois, je l'ai invité, il m'a dit, bon, tu vois, Alain, tu n'as pas une grande église, moi je vais, quand je vais à Paris, je vais dans des grandes églises. J'ai dit, ok, ça m'avait un peu choqué, mais bon. Je l'ai laissé dans son coin. Mais, quelques temps après, il est revenu, il m'a dit, Alain, est-ce que je ne peux pas prêcher? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je l'invite. Il prêche. Après la prédication, il vient me voir. Il me dit, mais tu vois, j'ai vu une soeur là à l'église. Elle était venue avec son mari. Son mari, c'est un Français. J'ai dit, oui, le problème, c'est quoi? Il dit, mais tu peux pas m'amener chez elle? T'amener chez elle? Déjà, c'est la deuxième fois qu'elle vient à l'église. C'est une nouvelle fidèle. Je ne connais pas chez elle. Je vais t'amener chez elle pour moi. Non, j'ai reçu un message. J'ai dit, ah bon? Bon, dis-moi le message. Donne-moi le message. Parle à moi. Moi, je suis son pasteur. Donne-moi le message pour que je vais lui dire. Non, non, il faut c'est moi que j'aille là-bas. J'ai dit, non. Pourquoi que tu me dises le message? Tu ne peux pas me dire à moi le message? Tu sais que c'est louche. Attends. Alléluia. Je me dis, bon, tu vois, je vais te dire, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a un problème, elle n'accouche pas. J'ai dit, ok, et c'est quoi? Comme elle n'accouche pas, le problème, c'est où? Il dit, non, elle n'accouche pas, mais le problème, c'est pas elle, mais le problème, c'est son mari. J'ai dit, d'accord. Donc, c'est pour cela que tu veux que je t'amène là-bas. J'ai dit, bon, permets-moi d'avoir mon culte dimanche. Hein? Après le culte dimanche, on verra ce qu'on va faire. Mais Dieu est bon. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Déjà même après l'équipe de dimanche, je n'allais pas l'appeler. Amen. Amen. Non pas parce que je ne voulais pas, je ne protégeais pas cette, pour ne pas dire que j'avais peur qu'il puisse prendre cette fille, cette femme et son mari. Bon, lui, il n'habitait pas ici, il habitait dans un autre pays. Mais je n'avais pas ressenti ça. Les dimanches après les cultes, la soeur vient me voir et dit, pasteur, vraiment, je tenais vraiment à te venir, à te remercier dans le coup de fil qu'on a, on a eu dans la semaine, on a parlé. Et justement, je voulais te présenter mes enfants. Ah, j'ai dit, tes enfants. Ok, son mari était là. J'ai dit, non, ils sont beaux, ils étaient à deux, hein. Deux ou trois. J'appelle ma femme, je dis, chérie, viens. C'est les enfants de... Regarde. Chaque fois que je disais ça, c'était un code pour lui dire que tu vois. Il dit, ah, que Dieu soit béni. Je vais prier avec vous. J'ai prié avec eux. Ils sont partis. Quand ils sont partis, tu vois, moi j'allais être traité d'aventurier. Et mon nom allait être caché ici à Paris. Un pasteur qui donne des prophéties qui ne s'accomplit pas. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que la soif de gagner de l'argent. Parce que derrière ça, il fallait, selon ses pensées, c'est peut-être que j'ai compris, derrière ça, il fallait soutirer quelque chose. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Amen.
Seigneur, lorsque tu ne te tiens pas devant l'Éternel, lorsque tu ne prends pas la peine de demeurer dans la présence de Dieu, et qu'au début, au départ, les gens te connaissaient comme étant quelqu'un qui pouvait apporter un message qui venait de la part de Dieu, après tu vas chercher à falsifier pour te maintenir. Et c'est là que beaucoup tombent dans les pièges. Mais dans cette génération, Dieu n'a plus besoin de ces personnes. Certes, ils sont là. Parce que Dieu a dit dans sa parole, laissez croître les blés et livrer. Ils sont là. Mais Dieu, en ces temps de la fin, là où il y a le faux, Dieu va susciter les vrais. Afin de confondre. Dieu ne va pas les enlever. Ils seront là. Mais il y a des vrais qui vont sortir. Des gens qui se lèveront. Il n'aura pas besoin de trembler. Il n'aura pas besoin de faire des grimaces. Mais la personne te regarde. La personne te détaille. La personne te dit, elle ne signe pas l'Éternel. Parce qu'il a reçu de la part de Dieu. Une génération prophétique. Qui marque la puissance de lui. Non seulement avec la prophétie, mais aussi avec la démonstration de la puissance. Alléluia. Un Élie est quelqu'un qui se tient dans la présence de l'Éternel. Ce n'est pas être ainsi. Tu as été appelé comme enfant de Dieu. Tu as été sauvé. Commence par te maintenir dans la présence de Dieu. Commence par te tenir plutôt dans la présence de l'Éternel. Parce que la force que tu auras à l'extérieur dépend de ton intimité avec ton Dieu. Amen. La capacité que tu auras d'être le canal par lequel Dieu va passer pour apporter la solution dépend de ta manière de te tenir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Il n'y a pas de magie en ça. Beaucoup de gens aujourd'hui croient que non. Le fait seulement qu'on te pose les mains, on libère l'onction sur ta vie, automatiquement tu reçois. Tu peux recevoir. Mais cette onction pour croître a besoin d'être développée. Amen. Alléluia. C'est comme un enfant qui est né, qui est sorti. Pour pouvoir grandir, cet enfant a besoin d'un environnement. Cet enfant a besoin de manger une très bonne nourriture. Et ce qui lui permettra de pouvoir croître, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Il en est de même avec toute personne sur qui le regard de Dieu se porte. Ou en d'autres termes, toute personne que Dieu choisit afin de manifester sa gloire sur la terre. Cette personne a besoin de revenir vers l'Éternel. De demeurer dans la présence de Dieu, de rester avec Dieu, parce que dans la présence de l'Éternel, Dieu va l'enseigner, Dieu va lui faire connaître les limites. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui copient les gens. Tu veux être comme un tel. Et il y a au jour d'aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent être comme un tel. Je veux être comme Bénigne, je veux être comme Christ sur la kilomètre, je veux être comme tel, je veux être comme quel est dit. Non, lorsque tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu, Dieu te montrera ta particularité. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprendras que moi, voilà ma particularité. Je peux arriver d'ici et je peux me limiter là. À partir de là, c'est une autre personne qui peut commencer. Alors si j'ai besoin de cette partie-là, je fais appel à lui. Amen. Afin qu'ensemble on puisse travailler. Amen. C'est ce qui fait la force du corps. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a des personnes, des généralistes. Dieu a fait de nous des spécialistes. Alléluia. Nous ne sommes pas comme dans la médecine où on fait tout, je fais tout, je chante, je prêche, je prophétise tout. Oui, Dieu peut permettre à ce que quelqu'un peut se trouver dans toutes ses facettes. Mais je voudrais vous dire que c'est toujours pour un temps bien précis. Dieu permet à ce que nous puissions nous compléter. Alors il est très important dans cette génération d'élite que chacun reconnaisse sa place. C'est important. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de chaos, pour qu'il n'y ait pas de désordre, il faut que chacun reconnaisse sa place. Tu peux être Élie tout en étant chante de l'Éternel. Tu peux être Élie tout en étant apôtre de Dieu. Amen. Tu peux être Élie tout en étant prophète de Dieu. Amen. Tu peux être Élie tout en étant dans le service d'accueil. Tu peux être Élie tout en étant intercesseur. Amen. Et bouleverser les choses. Alléluia. Amen. Vous voyez un homme comme Philippe. Philippe était un diacre. Mais en tant que diacre, il a manifesté la gloire de l'Éternel. Au point que toute une ville a été secouée par l'évangile de Christ. Lui n'avait pas besoin de dire, non, moi je veux être apôtre, je suis apôtre, comme Pierre. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, il était diacre. Mais dans son service de diacre,
Il avait en lui cette capacité, cette onction, cette fonction ou ce ministère d'évangéliste qui a permis à ce qu'il puisse accomplir. Et lorsqu'il a fait ce travail, lui il est parti. D'autres sont venus pour compléter le travail. C'est ça la force de la génération d'Élie. Alléluia. Ce ne sont pas des généralistes, mais ce sont des spécialistes. Ça peut être un chirurgien, ça peut être un neurologue, ça peut être un pédiatre, que sais-je encore. Mais chacun de nous doit arriver pour être un Élie afin de marquer sa génération, de connaître quelle est sa particularité. C'est ce qui fera notre force. Vous savez, lorsqu'on était encore en mission avec deux de mes amis, à l'époque, on savait, quand il s'agissait d'un message évangélique, on ne cherchait pas midi à 14h. Moi, je tenais les croisades. Quand il s'agissait dans le domaine prophétique, on avait un autre ami, lui il est aujourd'hui à guide. On n'avait même pas de raison de chercher midi à 14h. Donc c'est lui qu'on faisait appel, parce que lui, il avait cette grâce. Quand il s'agissait d'enseigner pour former, à l'époque, on avait un autre, lui, là en Belgique. C'est lui qu'on prenait. Donc, on n'avait pas, on ne cherchait pas midi à 14h. Oh non, je vais faire. Non. Chacun connaissait ce qu'il était appelé à faire. Et à trois, on est resté comme ça pendant des années et des années, sans pour autant qu'il y ait clash. On a avancé, on a travaillé, on a béni le corps du Christ. Jusqu'à ce que Dieu a fait comprendre que nos chemins devaient se séparer. Moi, je devais venir à Paris. L'autre devait partir à Bruxelles. Et l'autre, là, est parti à Kinshasa. Alléluia. Amen. Une génération d'élus, c'est une génération des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu. Amen. Et en se tenant devant Dieu, ils connaissent leurs particularités. Amen. Et lorsqu'ils connaissent leurs particularités, ils fonctionnent ou ils travaillent en fonction de cette particularité. C'est ce qui fait la force. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que un Élie est un restaurateur, est un réparateur. Un Élie n'est pas un rapporteur. Amen. Lorsqu'il a voulu défier les prophètes de Baal et défier les macabres, Élie est venu, la Bible précise. Et il dit alors à tout le peuple au verset 30, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. Quand je dis qu'un Élie, c'est quelqu'un qui est un réparateur, un restaurateur, ce n'est pas quelqu'un qui va écraser l'autre pour que lui puisse régner. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le corps du Christ. Je vais vouloir t'écraser pour mieux régner. Non. Je disais toujours à mes fils spirituels, je me disais, si vous me soutenez, vous priez pour moi, vous faites en sorte que moi, je puisse accomplir la vision que Dieu m'a donnée. De la même manière dont Jésus-Christ, en entrant à Jérusalem, sur la messe, sur l'âne, les gens, si aujourd'hui vous pouvez regarder la télé, je crois que si l'âne qui avait porté Jésus était ta soeur ou ton frère, tu n'allais pas voir Jésus, tu allais voir l'âne. Tu allais dire à tout le monde, regardez, c'est mon frère. C'est lui qui a porté Jésus. C'est ça le principe. Mais au jour d'aujourd'hui, on se combat entre nous. Je veux écraser l'autre pour que je règne. Non. Mais par contre, si je soutiens mon frère et que mon frère émerge, pendant que lui il émerge, il n'oubliera pas ceux qui l'ont soutenu. Amen. Amen. C'est la génération de lui. Je ne veux pas vouloir être seul. Je ne veux pas vouloir manger à la table du roi seul. Mais je veux que le jour où je suis à la table du roi, que je puisse avoir une histoire à raconter à cette table avec mes amis pour leur dire, souvenez-vous, à l'époque, lorsqu'on portait encore les instruments. Et là, on aura un sujet pour glorifier Dieu. Amen. Je ne veux pas me retrouver là-bas, au haut niveau, seul. Parler un autre langage avec ces personnes que je ne connais pas. Dieu veut
à tout prix que lorsque les élites sont suscités, qu'ils ne sortent pas seuls. La preuve, Élie, qui a été ouvrière, nous avons connu Élisée. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des Élisées. Mais que faisons de ces Élisées? Nous les étouffons. Ah non, petit, non, toi. Je ne sais pas pourquoi le comprendre. Je vais vous dire une chose, peut-être que ça va vous choquer. Moi-même, ça m'avait fait très mal. J'ai lancé une chaîne de télévision qui diffuse actuellement 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes sur les réseaux IPTV et nous sommes en pleine négociation pour le satellite qui va couvrir toute l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Quand j'ai lancé la télé, je suis allé voir un frère. Je lui ai dit, frère, est-ce que tu ne peux pas m'aider vraiment parce que j'ai besoin que tu me fasses un peu la promotion. Juste une publicité pour que, au moins que les gens puissent connaître un peu la chaîne de télévision, osfotv.com ou bien osfo.tv, donc H-O-S-F-O. C'est la pub, hein, parce que je veux que tu accèdes ça. Amen. Gloire à Dieu. H-O-S-F-O.tv. Je suis allé le voir. Lui, il a appelé un autre pasteur. Et ce pasteur-là, lui a dit, ah, c'est qui? Allez. Ah. Le frère, il m'a pu appeler. Ah. J'appelle le frère répondeur. Je laisse les messages, pas de retour. Je dis, ah, mais cette affaire-là est pour moi. J'appelle un autre frère que je connais. Je dis, frère, est-ce que bon, sur ton site, vraiment, est-ce que tu ne peux pas. Là, ça va beaucoup m'aider. Tu vois? Bon, envoie-moi le courrier, comme quoi tu veux. Bon, moi, je serai en conseil d'administration. Avec le conseil, on va parler de ça. Et après, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Ah, je dis, ok, il n'y a pas de problème, ça ne coûte rien. Je vais envoyer la lettre. J'envoie la lettre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai béni Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, il n'y a que Dieu qui est capable de pouvoir faire connaître ce qu'on fait. Peut-être que plusieurs ici ne connaissent pas vraiment la chaîne, mais certaines personnes qui connaissent et qui regardent cette chaîne sur Internet. Nous recevons des courriers des personnes. Un jour, j'étais tellement touché de recevoir des courriers qui venaient de l'Arabie Saoudite. Et je suis allé sur le site pour voir les statistiques. Le premier pays qui venait parmi les visiteurs, c'était l'Arabie Saoudite. Après, il y avait l'Iran et les pays arabes. Ça m'a tellement marqué. J'ai dit, si en France, on n'a pas voulu permettre à ce que je puisse faire la promotion, ah, au moins les Arabes, il est là. Amen. Ce qui est important, c'est qu'au moins une seule personne soit touchée. Amen. J'étais touché un jour, la nuit vers 21h, mon téléphone sonne. La personne m'appelle et la personne tremblait. La personne me dit, pasteur, est-ce que je suis sur la chaîne Osfo TV? J'ai dit oui. J'étais à la maison. Oui, parce que la chaîne à l'époque avait commencé dans ma chambre. Quand on a commencé, on a lancé cette chaîne, c'était encore dans la chambre. Je dis, quel est le problème? La personne m'explique, voilà, j'ai tel producteur de suivre un pasteur. Et après, pendant cette prédication, je ne me sentais pas très très bien. Je sentis quelque chose dans mon corps commencer à vibrer. Et le pasteur en question qui est passé sur la chaîne, à l'époque quand il est passé, il n'avait pas payé. Alléluia. Amen. Il n'avait pas payé. J'avais mis sa vidéo. J'ai dit, ok. La personne, la soeur a commencé à m'expliquer son problème. Et j'ai compris directement qu'elle avait un problème de démon. J'ai dit, où est-ce que vous habitez? J'habite Toulouse. J'ai dit, est-ce que vous pouvez faire un déplacement pour venir à Paris? Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a pris un temps, elle est venue à Paris. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec elle. À l'époque, l'église était à la maison Alfort. J'ai eu un entretien avec elle. On a prié pour elle, pour sa délivrance. Et c'est là qu'elle est rentrée à Toulouse. Elle est partie pour servir l'Éternel. Et quand elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, aujourd'hui, je sers le Seigneur dans l'église. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Mais par contre, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui ne voudront pas assez que vous puissiez émerger. Ça, c'est pas un esprit d'Élie. Alléluia. Élie veut à tout prix, ou l'esprit qui anime Élie, c'est un esprit d'amour. Ce n'est pas un esprit de compétition.
expire ou je vais tuer l'autre pour que moi je reste pour régner. Non. Mais c'est un esprit qui dira, j'ai besoin de l'un, de l'autre, j'ai besoin de ma soeur. Venez, venez, tenons-nous les mains dans la main et avançons. Je crois que si moi je ne peux pas affronter cet homme, toi tu pourras m'aider. Et c'est ensemble que nous allons avancer. Et tout en avançant, nous allons faire tomber l'ennemi. Alléluia. C'est ce qui fait la force de Élie. Lorsqu'on comprend cela, l'ennemi, comme je l'ai dit, c'est un restaurateur, c'est un réparateur. Ce n'est pas celui qui étouffe. Ce n'est pas celui qui détruit. Vous allez prendre compte que quelqu'un vient. Je me souviens un jour, on n'encourage pas le péché. Mais lorsque quelqu'un vient vers toi et que la personne est déjà tombée dans le péché, la personne regrette son péché, je ne vois pas pourquoi je dois commencer à le marteler encore. Jusqu'à venir sur la chair et parler de ses péchés. La chair n'est pas un règlement, un lieu de règlement de pensée. Mais c'est un lieu pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est courbé a besoin d'une main pour que cette main puisse la relever. Pour lui faire comprendre que Jésus est celui qui t'a parlé. Et c'est pas qu'il a pu nous faire voir cette femme qui a été attendue en faveur de lui. La Bible dit lorsqu'on l'a amené, le Seigneur était là en train d'écrire. Certains prédicateurs vont vous dire. Donc venez les termes de qu'est-ce que Jésus écrivait quand la femme était arrivée. Moi et toi, nous ne savons pas. Amen. Moi je ne sais pas, je n'ai rien à dire là-dessus. Amen. Mais il était en train d'écrire quelque chose. Lui-même il sait. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a levé sa tête bien aimée, il a dit ceci. Lorsqu'il a dit que parmi vous que celui qui n'a pas les péchés jette la pierre à cette femme. Amen. Un prédicateur a dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait dit, je peux aussi le répéter. Il a dit ceci, la Bible dit que c'est du plus grand au plus petit. Vous savez pourquoi? Parce que le plus grand avait beaucoup plus de péché. Alléluia. Alors lorsque Christ a regardé cette femme, il a posé la question, est-ce qu'ils t'ont condamné? Non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche pas. La génération d'Élie, c'est une génération de sommes qui n'encourageons pas les péchés, mais qui aidons des personnes de sortir de leur vie de péché. Pour leur faire comprendre qu'effectivement, Jésus-Christ est capable de pouvoir leur redonner ses bonnes chances. L'évangéliste était en train de dire tout à l'heure par rapport à ses soeurs qui ne venaient plus à la maison. Moi, je me souviens d'une de mes cousines qui, elle portait toujours des mini-jupes. Des jupes, ça peut te mettre mal à l'aise. Mais un jour, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'accompagner à l'église? Il dit, mais tel que je suis là, mais tu vois comment je suis habillé? Allons-y. Nous sommes allés à l'église, je savais qu'elle se sentait mal à l'aise. Lorsqu'elle est arrivée à l'église, elle était mal à l'aise. J'ai dit, dimanche prochain, on va encore y aller. Elle dit, ah, non, moi je veux fuir. J'ai dit, non, on va y aller. Je dis, mais tu vois pas comment je n'ai pas d'habit? J'ai dit, tu n'as plus d'autre chute. Il dit, mais tu connais, mais je, ma garde-robe. J'ai dit, ok. Dieu va t'aider. Mais à ma grande surprise, le dimanche qui a suivi, c'était une longue jupe en jean et avec sa Bible. Elle dit ça, c'est un nouveau pas. Elle a compris que on ne peut pas aller dans la maison de Dieu tel que je suis. Alléluia. Certes, des fois, il y a certaines personnes qui viennent. On peut les amener à l'écart pour leur dire, ma soeur, habille-toi décemment. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent, Dieu les touche. Amen. Dieu a touché sa vie. Dieu a transformé sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois ton frère qui est roubé à cause du péché. Relève-le. Et tu dis que le Seigneur est capable de lui donner une seconde chance. Amen. La génération d'Élie est une génération des hommes et des femmes qui manifestent l'amour. Amen. Et n'est pas une génération des hommes et des femmes qui veulent s'accaparer de la gloire. Et je peux encore dire ceci. Les hommes et les femmes qui ont l'esprit d'Élie, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui servent Dieu pour se servir de Dieu. Alléluia. Nous ne servons pas Dieu pour nous servir de Dieu. Nous servons Dieu par amour pour ce Dieu et à cause de son amour qu'il a manifesté pour nous. Il a dit, en retour, lui nous bénira.
Mais si mes motivations commencent à ce que je vais servir Dieu pour que Dieu, pour que je puisse devenir riche, mes motivations ne sont plus bonnes. Et au jour d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les valeurs ont été renversées. Plusieurs entrent dans le ministère, plusieurs prêchent la parole, parce qu'il a vu un tel prêcher la parole et devenir riche. Il dit, je vais aussi servir Dieu pour que je sois béni. Dieu béni. Ça, je vous rassure, Dieu béni. Mais ne servons pas Dieu pour que nous puissions être bénis. Amen. Servons l'Éternel tout en manifestant cet amour que nous avons pour lui. En retour, comme a dit l'évangéliste, il ne nous délaissera pas. Il s'occupera de nous et nous bénira. Nous avons vu Dieu, bien aimé dans le Seigneur, répondre même dans les petits détails de la vie. Voilà pourquoi David a dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Alléluia. Servons l'Éternel avec l'esprit d'Élie. Demandons à Dieu, Seigneur, envoie ton esprit. Non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui a animé Élie. Afin que cet esprit puisse me conduire. Afin que cet esprit puisse m'accorder la grâce de pouvoir marquer ma génération. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu, effectivement, veut susciter les Élie. Et tu es en train de susciter des Élie. Mais lorsque cette question est posée, où sont les Élie? Dieu t'a vu. Tu as réalisé que tu es un Élie, mais tu n'as pas encore compris que tu es un Élie. Tu es un Élie, mais tu n'as pas encore compris le potentiel que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Il suffit simplement que tu dises, Seigneur, je veux que les écailles tombent de mes yeux pour que je saisisse ce que tu as mis en moi. Et lorsque je saisirai ce que tu auras mis en moi, je me lèverai et j'accomplirai ton œuvre. Alléluia. Amen. Parce que Élie, être un Élie, c'est être un homme obéissant. Dieu est en train de susciter une génération d'Élie. Et tu fais partie de cette génération. Amen. Tu fais partie de cette génération, non pas parce que tu vas devenir peut-être un pasteur comme moi, ou bien tu vas tenir le micro pour prêcher, mais tu es Élie parce à cause de ce que Dieu a déposé en toi. Partout où tu es, tu peux manifester sa grâce, tu peux manifester sa gloire. Dans les lieux de travail, partout où tu te présentes, les gens pourront voir en toi la gloire de l'Éternel et dire, nous allons servir le Dieu que toi tu sers. Alléluia. Amen. Nous pouvons baisser nos têtes dans la prière et nous tenir debout dans sa présence. Alléluia. Je l'aime.